Bienvenue à tous dans votre émission La Guinée qui bouge, La Guinée qui bouge. Vous le savez, c'est cette émission exceptionnelle qui vous permet de découvrir ce que la Guinée a de meilleur dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des mines. Et pour cette occasion, nous vous amenons pour une immersion exclusive et inédite ici à Matoto sur les installations de la société multi-industrie Topaz. À Matoto, vous allez voir, trois unités industrielles sont installées dans ces locaux, en plus de l'unité industrielle de Gomboya, mais aussi de Manea. Mais tout de suite, pour la première fois que les médias foulent le sol de ces installations, je vous amène dans un reportage signé Tomou Traoré. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un entretien avec Kemoko Touré. À première vue, vous avez l'impression d'être en face d'une simple cour fermée, mais à l'intérieur, c'est plus de trois unités industrielles de fabrication spécialisées dans la production de peinture et d'autres articles en plastique. Bienvenue sur le site de Topaz Multi-Industrie SA, situé dans la commune de Matoto. Créé en 1999, Topaz Multi-Industrie SA s'est vite développé au fil des années en défiant toute concurrence. Mais d'où est partie l'idée de sa mise en place? Ce matin de notre immersion sur les installations du groupe Topaz, Eric Benjamin Cole, directeur général adjoint de Topaz Multi-Industrie SA, nous ouvre son cœur. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement était conscient de la nécessité d'encourager les opérateurs privés à aller vers le secteur industriel et agricole. Et c'est ainsi que M. Ashok, il s'agit de lui, a décidé de réaliser des investissements depuis 1999 par cette petite unité de production de peinture pour avoir les 5 usines que vous avez mentionnées, avec près de 4000 emplois salariés créés aujourd'hui. Dans sa vision de devenir à l'horizon 2025, la première entreprise de plasturgie de la sous-région ouest-africaine, Topaz fournit à ses clients les meilleurs produits et services en termes de coûts, de délais, de conformité aux besoins clients et d'attractivité dans le strict respect de la santé, sécurité et environnement. Pour nous faire découvrir les installations et services du groupe Topaz, Bakary Kondé, responsable qualité, hygiène et sécurité, nous conduit d'abord à l'usine de production d'articles en polyéthylène. Cette usine qu'on appelle l'usine de fabrication des articles en polyéthylène fabrique des articles creux, c'est-à-dire c'est des articles qui sont soufflés pour fabriquer des bouteilles, pour fabriquer des flacons, okay, pour fabriquer des jerrycans, etc. Tous les articles creux, le procédé de fabrication, c'est le soufflage. On souffle de l'air comprimé pour aller pousser, transformer la matière en articles creux. Ensuite, nous avons des sachets alimentaires qui sont utilisés pour le conditionnement de l'eau, pour le conditionnement des substances liquides. Grosso modo, c'est le procédé de soufflage qui est développé dans cette usine-là, que nous appelons usine polyéthylène. Essentiellement, c'est du polyéthylène avec les différents grades, haute et basse densité, ou du polyéthylène téréphtalate qui sont fabriqués dans cette usine. Ensuite, nous voici à l'usine de production d'articles par injection, puis à l'usine de production de peinture et revêtements au sein de laquelle se trouve le laboratoire de contrôle qualité. Nous finissons la visite de l'usine injection parce que le procédé consiste à injecter la matière plastique ramolli dans une cavité qu'on appelle moule et qui, en contact avec le froid de la paroi interne du moule, la matière plastique se solidifie brusquement. Le moule s'ouvre, la matière est éjectée et elle est récupérée par les opérateurs et empilée. Voilà, donc c'est le procédé de fabrication qui est développé dans cette usine et qui porte le nom usine de fabrication par injection. Topaz a toujours rêvé grand, d'où l'extension de deux autres unités industrielles à Manea et à Gomboya dans la commune de Koya, avec des usines de production d'emballage oxo-biodégradable et celles de production de tubes plastiques et autres accessoires. Topaz garantit aussi la santé et la sécurité de son personnel dans un environnement de travail sain et sécuritaire. Nous avons des correspondants SST dans les usines.
Ça, c'est éventuellement en cas d'accident de travail. Les victimes sont immédiatement prises en charge par le personnel SST qui se trouve dans des unités industrielles en attendant la prise en charge par notre dispensaire que vous voyez là. Ici, nous avons le corps médical qui prend le relais en cas d'accident éventuel et qui prennent la victime en charge. Et si ça sort de leur périmètre, ils utilisent ces ambulances-là que vous voyez pour transférer la victime vers les structures hospitalières de Conakry. Le groupe Topaz, c'est aussi la pépinière de l'excellence dans le travail bien fait et bien accompli. Ismaël Savané, attaché de direction à Topaz Multi-Industrie SA, en est une parfaite illustration. Topaz est désormais sa seconde famille et il en est conscient. Topaz, c'est vraiment une famille. Lorsqu'on a la chance ou l'opportunité d'intégrer le groupe Topaz, on devient de facto membre d'une grande famille où chacun est respecté, un environnement de travail convivial et où l'opportunité est donnée à tout un chacun d'exprimer ses talents. Moi, j'ai commencé à Topaz en tant que presque un stagiaire. Et puis aujourd'hui, l'aventure a continué pendant des années et des années. Mon ambition pour Topaz, c'est d'avoir encore plus de représentation au niveau sous-régional et jusqu'en Afrique australe. C'est comme ça que je vois Topaz. Et lorsqu'on prend le produit Topaz à l'extérieur et qu'on tourne le produit, c'est écrit dessus, Topaz, c'est vrai, mais made in Guinée. Et là, ça a vraiment tout son sens. Topaz Multi-Industrie SA s'est toujours démarqué des autres unités industrielles par sa politique qualité ISO 9001-2015, axée sur trois piliers notamment, la performance de ses processus, la conformité de ses pratiques et la compétitivité de ses produits et services qui visent à faire de